Pavle passe yon moman son. Ou fèm bien, ou fèm bè. Présence ou piche passe l'or. Présence pidos passe l'or. Tout le monde qui goûte. Ala ou bon. Tout le monde qui goûte lui, tout le monde qui goûte lui, comme ça à la mort. Combien de monde qui est content parce que là, c'est bon Dieu. Gloire à Dieu. Matin, nous avons pris le temps pour me parler d'un sujet avec nous qui est important. Je ne vais pas autant prêcher, ce n'est pas surtout une prédication. Même si nous avons pris le temps pour me faire une causerie avec nous. Parce que le sujet que je vais parler à là est tellement important. Je ne vais pas pour me sous mode prédication pour me parler tellement rapide pour ne pas attendre des mots. Je vais faire une causerie avant matin.
Depuis l'année a commencé, nous commençons à parler de qui ça, thème année, c'est qui ça? Grandir dans l'amour de Christ. Grandir dans l'amour de Christ. Pour nous mettre nous dans le contexte là, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 7. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 7. Ou bien première partie verset. En nous lisant ensemble. Dis-y, l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, et puis il dit l'amour n'est pas en, l'amour n'est pas, l'amour n'est pas. La Bible dit comme ça que une caractéristique de l'amour, c'est que l'est pas envieux. En d'autres termes, l'est pas jaloux. Est-ce que vous entendez ça, m'a dit, hein? L'amour n'est pas envieux. L'est pas fait jalousie. Alors, gagnons six différences techniques entre l'amour, entre l'envie et la jalousie. L'envie, c'est le désir d'avoir ce que l'autre a, tandis que la jalousie, c'est le désir de garder à tout prix ce que l'on a. Donc, on a une différence entre les deux, mais généralement, en créole, l'un a parlé de jalousie, nous réellement parlé de envie. Donc, on peut utiliser le terme jaloux. Donc, on a oublié la différence technique là, beaucoup n'y a. Mais un tel nous qu'on dit un tel jaloux de moi. Donc, m'a plus utilisé en terme jalousie. Hein? jalousie, parce que nous avons tendance, en pile fois, on a parlé de créole, au lieu d'utiliser le mot envie, nous utiliser le mot jalousie. Donc, nous faisons attention à ça. Nous allons parler de jalousie matin. Ça veut dire jalousie. Sujet, ça, son gros sujet. Parce que jalousie détruit les meilleurs intellectuels que le pays d'Haïti te kabay. Gan pil jeune garçon ouais qui fou dans la rue, qui pas tout dans rien. C'est yon moun par jalousie, li wèl gen potentiel, li karive en côté, li mande le prêter yon livre, et puis le détournel. Jalousie fait haïtien youn krasé l'autre non travail. Youn dévorer l'autre pour promotion, c'est pas ça? Même dans l'église, il y a jalousie. Jalousie pour moun qui chante pi bien. Moun qui prêche pi bien. Moun qui prie pi bien. Donc, jalousie son gros dossier n'a moyen là. Et si bagay sa son bagay nou ka régler nan cœur nou, n'a pwe en tant qu'haïtien n'a fonctionné youn avec l'autre pi bien. Est-ce que nous d'accord avec ça, hein? N'a pas en tant que chrétien n'a fonctionné une avec l'autre pi bien. Donc bon commencer tout d'abord pour moi décrire pour qui s'allier. L'on a parlé de jalousie, envie ou bien jalousie. La jalousie qui s'allier, la jalousie c'est un sentiment d'insatisfaction. Un sentiment d'insatisfaction que yon moun gagné dans cœur, qu'on expérimenté dans cœur. L'regarder qualité yon moun en bien yon l'autre moun ou bien entre guillemets chance yon l'autre moun ka gagné dans la vie. L'regarder sa moun nan gagné ko pas gagné, soudainement ou te gen droit à l'aise. Ou te gen droit satisfait ak tête ou te gen droit en forme et puis soudainement koué moun nan et pour commencer comparer tête ou avec moun nan et pour sentir misérable dans la vie. Donc la jalousie son sentiment de satisfaction qui prend à la vue des biens d'autrui, des qualités des biens d'autrui ou de la providence que l'autre moun capable jouer. Maintenant la jalousie c'est un péché qui plus terrible que yon moun ka commettre.
Parce que plus fort péché ou commettre dans la vie ou enjoy. Est-ce qu'on entend ça Abdou là? Nous pas rendre compte de ça. Péché, péché douce. C'est conséquence péché pas douce. Est-ce qu'on va bien hein? Péché, généralement péché douce. C'est conséquence péché qui pas douce. Majorité péché nous fait nous enjoy. Moun kap fait adultère, li enjoy adultère. Conséquence là elle doit pas bon. Mais l'enjoy tête li. Moun ki chita kap boue, mais pendant la boue, li enjoy tête li. Accident elle doit pas bon. Mais pendant la boue, li enjoy tête li. Est-ce qu'on d'accord avec bébé? Même moun semaine dernière nous t'appelons l'amour ne se vante point. L'amour pas fait jolé. Même moun kap fait jolé, pendant la parler de tête li, la enjoy ça la dit. Ou dit son bon manger la manger. Vantardise la li enjoy li. Conséquence langue doit pas bon. Majorité de péché nous fait nous enjoy yo, c'est conséquence pas bon. Mais la jalousie c'est une nan péché, non seulement conséquence qui pas bon, mais même li même l'on a fait au lieu où enjoy li, c'est manger le manger. La jalousie c'est une nan péché, m'pa comprendre ni ou pas enjoy, ou pas enjoy ni l'on a fait ni conséquence. Parce que ou pas jamais ouais les yo moun jaloux de yon moun ki sak passé depuis moun nan entré pou gade figi moun nan rali même moment 10 000 marre nan front. Parce que la jalousie la jalousie c'est une combinaison de trois poisons. C'est trois poisons qui réunis ensemble qui bon la jalousie. Trois poisons qui réunis ensemble qui bon la jalousie. Le yomoun jaloux, premier poison qui manifestait, c'est la tristesse. Premier bagage jalousie fait, c'est que le dérobé de joie dans la vie. Joie, contentement. Le jaloux, premier bagage ou perdu, c'est la joie, c'est contentement. Ou j'aime ou j'aime le jaloux dans la situation. Bon, en Haïti, je suis content de dire ça. Je dis comme ça, jalousie. Et yo te dit qu'on ça fique jaloux pas j'aime grand ou pas dans de bagage ça. Yo dit parce que ça le gagne parce que moun a vive non tristesse perpétuelle. Lo jaloux de yon moun ou bien don situation ou entrer ou gen droit cœur t'es content ou t'es gen droit cœur t'es content la voûte bien et puis kou gade ma salon l'autre là. Ou t'es enjoy salon pour là oui. Les hommes mouvis, nous te qu'on apprend. Quoi l'on garde salon par l'autre là et pour comparer la parole là ou est salon là pas bon encore et puis même moment perd du joie. Premier bagage la jalousie fait c'est que le retire la joie. L'orge ou pas qu'à jaloux et content en même temps. Maintenant ou qu'elle doit faire une grimace pour qu'elle fait quoi ou content. Mais en dans cœur l'orge jaloux ou pas qu'à profondément content. Premier bagage, la jalousie fait lui enlever la joie. Deuxième bagage, lui fait, donc premièrement, lui introduit la tristesse, lui retire la joie, lui fait triste. Deuxième bagage, la jalousie introduit, c'est la colère. Lors jaloux, premier bagage, vous fait, ou te doit bien belle, bien en forme, ben joie et tout, kou gade par l'autre, la machine par l'autre, mais kaye par l'autre, et soudainement, ou gade ouè figou commence à râler. C'est ça, bon Dieu, te dit Caïn. Il dit Caïn, pour qui sa figure tombe comme ça? Soudainement, perdu la joie. Mais non seulement perdu la joie, deuxièmement, la jalousie introduit un sentiment de colère. Soudainement, ou senti que, et ou senti ou victime de yon abus. Ou senti que moun ki abuse ou dans la vie. Parce que en colère, qui ça qui fait nous faire colère dans la vie? Ça qui fait on fait colère, c'est l'injustice. Le sentiment d'avoir été traité injustement lui produit la colère. Chaque temps, parce que depuis l'on nous fait colère, qui s'en dit, et tel pas supposé faire ça. Et bien ça nous dit, en d'autres termes, et tel agit injustement envers moi. Donc, l'œil au monde gain jalousie dans la vie, li envieux dans la vie, ou bien jaloux, premièrement, il vient triste, deuxièmement, il vient en colère. Et en pile fois,
li capable en colère contre bon Dieu même. Parce que le senti que bon Dieu béni moun sa, li fait le cadeau s'il fait le cadeau ça et puis bon Dieu lui même pas fait le cadeau rien. Est-ce que l'église avait même? La jalousie introduit premièrement qui ça? La tristesse. Deuxièmement là. Troisièmement, sous pas contrôler la jalousie, l'a introduit la haine. La jalousie. Et tout à l'heure, m'bral faut comprendre ça. Sous pas contrôler la jalousie, l'a introduit qui ça? L'a introduit la haine. Debout, gade ou commencez jaloux de moun, ou commencez envieux de moun. Sous pas prend cœur rapidement, ou saisissez tout rapidement. Son pas en vous badge ou karaï moun. Donc, l'impossible pour raï moun dans la vie qui pas fort en rien. Moun ne doit pas fort en rien, li ne doit pas même qu'on ou existe. Et pour raï. Et message m'a prêché à la, m'a dit comprendre que, m'a dit comprendre son message, n'a voyé ou sous l'autre, m'a dit pendant n'a parlé de message, que tout le monde a fait introspection. Yo. Est-ce que n'a avez même? Parce que le facile pour dire l'autre là. Mais si on travaille qu'a fait de manière profonde, c'est nous tous qui besoin garder à l'intérieur et dire Seigneur, qui côté ça a besoin de travail? Nous besoin veiller que nous, parce que la jalousie introduit premièrement la tristesse. Parce que l'igain ça moi-même moi pas gagné. Deuxièmement la haine, deuxièmement la colère, parce que bon Dieu bal ça ou bien parent le bal ça ou bien tel monde bal ça li pas ban moi. Ça veut dire mais juste qu'on y a un sentiment colère. Troisièmement l'introduit la haine. Qui ça la haine y est? Attendez ça chers amis. La haine c'est le désir de détruire la source de son mécontentement dans la vie. La haine, c'est l'homme qui a un désir pour me détruire. On nous dit comme ça, qui ça la haine? La haine, c'est l'homme pas content. M'a pas content. Et puis, me déterminer, ça qui fait pas content, c'est cher. Chaque temps que je passe, je suis en route, je bloqué. Si je suis pas content, c'est parce que cher ça là. Et quand je me sens seul, gens pour que je content encore, c'est pour me détruire. Ça veut dire me raïe cher. Donc, l'impossible qu'on arrive dans la vie, côté où commencer, ouais, yon moun, c'est lui-même qui source tout malheur, tout mécontentement, tout bagay qui arrive dans la vie. Si m'gom, si m'bagon kay, si m'bagradué, si m'barivan, si m'badiba, c'est à cause de etel. C'est lui qui source tout mécontentement, tout malheur, et puis de pour arriver dans point ça, ou voulez détruire moun. En d'autres termes, yon moun, lor commence à gen jalousie dans le cœur, sou pa veye l, li ka fo criminel. Ah, est-ce que le gisan de sa m'a dit, hein? C'est ça que fait la Bible dit, l'amour n'est point envieux. Sou qui te envie, rempli cœur, sa moun genye, ko pa genye, avantage genye, position genye, l'argent genye, quel que soit ça genye, beauté genye, sou qui te et pour pas contrôler. Ou ka li menon nan tristesse, li menon nan colère, li menon nan haine, et puis haine mène au meurtre, haine mène nan crime. Donc c'est ça que fait. Caïn, li te jaloux de frère Abel, li commence par la tristesse, la nan colère, li tombe nan haine, et puis résultat, c'est que le touye frère. Donc est-ce que tu comprends ça m'a dit là? Hein? Ça veut dire ça, c'est un gros sujet là matin. Hein? Est-ce que l'église comprend ça m'a dit là? Maintenant, en nous regarder, qui ça qui a tendance fait nous jaloux? Jalousie capable de plusieurs sources. Quelquefois, moi-même, avant, en tant que chrétien, nous sommes jaloux de prospérité. Moun ki pa konn bon Dieu. Ah, on dit amen, on sait. On va dire pasteur Greg seulement ça arrive, il va en pile là. Mais qu'est-ce qu'on va parler fort?
Ça va, j'aime rivo et puis on rencontre avec bon Dieu. On dit Seigneur, moi même pas comprendre. Regarde, ou créer, ou dit les cieux et la terre appartiennent avec l'Éternel et puis regarde moun sa yo là. M'la, m'a prié, m'a jeûné, m'a fait 40 jours, m'a fait da, et puis ça lui-même, li pas servi ou, li pas connait. Semble toute grâce c'est pour lui, toute bénédiction c'est pour lui, semble toute business c'est pour lui, toute million c'est pour lui. Moi-même, m'dare me connaître, m'dare me connaître que c'est petit ou mieux vrai. Mon con qui s'est réconforté, David, tu as même problème, non? Ou bien Asaf dans l'Ancien Testament, tu as même problème, non? Les serviteurs de Dieu, et les servants de Dieu dans l'Ancien Testament, ils ont le même problème. Non? Et puis il dit, si les méchants croissent comme l'air, là, il dit, c'est pour être anéanti. À jamais. En d'autres termes, moi, avant, quelques fois, nous, chita, nous avons gardé un tel, mais qui s'est gagné, mais qui s'est gagné, ça le gagné, c'est que où est le résultat? Mon par contre, ça le fait. Ou pas qu'on sale fait, ou pas qu'on sale vend, ou bien pas qu'on qui est le vend. En pile fois nous avons résultat, mais pas qu'on est sans moun ça vend. Gen moun c'est pudeur, gen moun c'est intégrité, gen moun c'est petit, gen moun c'est n'importe quoi. Nous pas qu'on est par qui moyen le passé pour le river côté le river. Est-ce que l'église a dit ça m'a dit hein? Et gen quelques fois non seulement pas contre qui moyen le passé, mais l'autre bagaille tout gen quelques monde c'est propre nan ni le vendre. C'est éternité li troqué pour qu'arriver côté le rivière. Nous pas jamais entendre histoire ça en Haïti, monde qui riche et pour penser monde nan bien. Mais le monde vient zami ak moun sa yo rend yo compte ces moun ki pi misérable ki gagne parce que gon coulève k'ap coulève k'ap dormi avec chaque soir. Nous pas jamais t'en débat comme ça. Et puis maintenant nous pensons ça en Haïti seulement bagaille ça fait, mais soit aller aux États-Unis ou après un pile artiste surtout dans domaine hip hop rock and roll, un pile artiste n'a regardé dans télévision, un pile nan yo dit pour yo arriver là, yo obligé vendre nan yo by Satan le diable. Même aux États-Unis, ça fait. Donc, il y a quelques fois, nous jaloux de monde dans la vie, mais pas qu'on est ça, yo fait. Pour y arriver côté y arriver. Donc, c'est ça qui fait moins avoir, c'est pour apprendre à contenter nous dans l'Éternel des armées. Combien de monde qui est d'accord ça? Sous d'accord ça, dit gloire. Dis gloire. Dis gloire. Il y a quelques fois, tout, nous jaloux de. En dans l'église, nous sommes jaloux de onction. Nous sommes jaloux de onction, nous sommes jaloux de grâce que moun gagne. Les juifs étaient jaloux de Jésus à cause de puissance que le gagne. Ils étaient jaloux de Paul à cause de la grande foule. Gè quelque fois nous capables jaloux youn lot en de l'église pour talent bon Dieu bail, pour don le bail, pour onction le bail. Mais en pile faut gè droit jaloux de onction yon moun. Mon pas qu'on qui prie mon nan payé nan bon Dieu pour onction ça. Parce que onction m'a compris. Moi quand c'est avant hier m'étais dans Tidy Jakes qui a prêché. Tidy Jakes dit comme ça, m'remet l'homme mon pas gagne devant. Il dit Bishop Jakes, the Lord sent me to you. He told me that you should pray for me so I can have double your anointing. Double your anointing. But you voyez, him. Les étudiants, priez pour moi. Parce que c'est pour bon Dieu, bon, tout bon onction. Puis tu dis, j'ai dit comme ça, moi, je n'ai pas de problème pour me prier pour. Mon besoin qu'on ait onction sur moi, je l'ai compris. L'homme de tout bon onction, ça veut dire, m'te homeless. Ou bral homeless 12 fois. 12 fois. Yeah, il dit, avant m'rive là, m'te nan l'île, m'te demandé manger. Ça veut dire, ou bral m'te manger 12 fois. Il dit depuis ces problèmes m'ont passé, depuis ces humiliations m'ont passé, depuis ces têtes chargées m'ont passé, est-ce qu'on prêt pour passer toute fois? Parce que l'onction n'a pas fait comme ça, elle compris. L'onction
Au monde ou pas jamais jaloux monde dans la vie ou pas qu'on qui prie ou pas qu'on qui prie ou pas qu'on qui prie le pays pour onction sur lui. Pasteur John qui n'a une pasteur l'église l'a dit me comme ça que li te gade yon te gon évangéliste que le connaît à Porto Rico qui est entré Saint-Domingue vient prêcher. Il dit dans tout évangéliste que le connaît bon Dieu utilisé, li pa gon évangéliste que le ouais que bon Dieu utilisé dans dimension ça. L'a dit me comme ça que premier bagage qui va l'attirer attention sur évangéliste là, le évangéliste là m'a pas si me songe non. Le évangéliste là rentré pour prêcher Saint-Domingue, il dit te gon l'appui. L'appui a fait et puis il était dans stade. Et puis stade là pas de couvri. Stade là pas de couvri. Et puis là l'appui a commencé. Bral tombe, moun vle aller, li dit tout moun yo campé. Monsieur vini il font prière et puis levé mel en l'air et puis il priait. Il dit comme ça, même moment monsieur fin prier, l'appui a campé, mais il dit pas seulement l'appui a campé qui intéressé. Il dit l'appui a continué tomber, il tombé tout autour de stade là, ça veut dire machine tout moun mouillé. Tête stade là, pas qu'on grain bout la pluie tombe en dedans. Monsieur dit soirée ça, lui ouais main poussée, lui ouais pied poussé, lui ouais moun sorti dans chaise roulante. Et il dit pas j'aime ouais onction dans dimension ça. Et puis il dit il commencer à faire recherche pour le garder pour ouais qui prie. Qui prie. Et puis monsieur dit quoi ça pendant la étudier la vie évangéliste ça. Et puis il rend compte évangéliste a raconté histoire li marche li avec bon Dieu. Il était gon seule petite fille. Il était gon seule petite fille. Petite fille a marié avec un élément, m'a raconté histoire rapide. Petite fille a marié avec un élément. Et puis élément le marié avec là. Élément le marié avec là. Un jour élément pas gen moun ki konn sa monte dans tête li, li prend un couteau. Et puis il bail petite ça, petite fille a plus que 30 coups de couteau. Li matigize petite là et puis il touyel. Monsieur était dans une croisade dit a prêcher. Le yo dit comme ça que Marie petite li tuel avec plusieurs coups de couteau. Yo prend élément, yo mette dans prison. Monsieur lui même le rentré, li fin wè ko petite là etc. Monsieur entré non temps de jeûne. Li dit Seigneur, m'pap kite place ça. Tout autant pas expliquer ça qui passé. Li dit Seigneur, m'pap kite chambre ça. Monsieur entré non temps de jeûne, li dit jeûne n'a pas gain fin. Tout autant bon Dieu pas parler. Et puis monsieur entré dans jeûne. Et puis en un moment donné dans jeûne, bon Dieu commence à parler avec monsieur. Il dit comme ça, petite fille là. Il dit tout d'abord, dans un moment, monsieur piqué petite fille là, monsieur son homme qui était possédé. Il dit comme ça, bon Dieu dit, me quitter ça arriver parce que petit ou atteint dans l'évangile, li à peine converti, retourner dans pied. Et me rend moins compte que le bal retourner dans le monde encore. Et puis pour le perdu dans le monde. Et puis il dit, avant, au lieu pour mamzelle à retourner dans le monde pour le passer éternité dans l'enfer, moi permettre que ça arrive pour le venir joindre moi avant l'heure. Parce que le dit, si m'pat quitte sa rive, petit toi t'as passé éternité dans l'enfer. Kounia li fin bal, bal monsieur explication. Et puis kounia li dit, kounia ou fin mande m'explication, m'bon explication, kounia m'bal besoin fait deux bagay pour moi. Li dit numéro un, li dit comme ça, ou bral nan prison, ou bral dit monsieur qu'on pardonne. Il dit deuxième bagaille. Ça beaucoup rien. Il dit deuxième bagaille.
Le monsieur sorti dans la prison, m'vlo adopter comme petit garçon. Monsieur à la prison, il dit ti élément pardonné, après monsieur fin fait en prison, il vient adopter ti élément ça comme petit garçon qui servit dans le ministère li jusqu'à ce que le mouri. Et puis quand on moun ba regarder le onction ça dans la vie nèg là qu'après la vie qu'après c'est même besoin d'où besoin d'où en pile fois moun besoin grâce qui sous la vie moun mais yo pas konnen qui prix payé yo pas konnen qui sacrifice qui fait. Est-ce que l'église comprend ça m'a dit? Donc c'est ça qui fait au monde là marcher avec bon Dieu, il est extrêmement important que on apprenne à glorifier le nom de Dieu, remercier bon Dieu pour ça l'accorder dans la vie ou là parce que en pile fois nous pas connaît les conséquences, nous pas connaît ça monde n'a payé pour le capable arriver là. Maintenant que il y a quelque monde c'est yo payé dans le monde, il y a quelque monde qui payé prier dans bon Dieu. Donc, mais nous-mêmes, nous apprenons à satisfaire nous avec ça que bon Dieu bat nous. Est-ce que l'Église t'a dit ça, m'a dit là? Nous pas jaloux de prospérité païen, nous pas jaloux de grâce que nous avons dans bon Dieu. C'est nous-mêmes qui connaissons qui route nous fait avec bon Dieu, qui chemin que nous fait avec bon Dieu. Maintenant, bonjour, dernier bagage ça, et puis pour me capable de boire quelques témoignages pour nous terminer, pour nous prier. Premier bagage, besoin. Je parle de conséquences. Je parle rapidement de comment identifier envie. Comment je fais qu'on aime son monde qui est envieux? Moins qu'on aime son monde qui est envieux, si depuis qu'il n'y a pas les biens de l'autre monde, et puis moi, je ne suis pas content. Vous avez ça me dire? Il n'y a pas les biens de l'autre monde, et puis tout le monde doit être content pour le monde, et puis je garde moi-même. Moi pas content, faut me checker que. Depuis me garder moi gon moun, tout moun ka wè bon bagay de li, mais moi même depuis me parler, c'est mauvais bagay qui sorti dans bouche moi, faut me checker que. Parce que comment tout moun ka fait wè bien, moi même c'est mal seulement moi. L'homme garder moi yon moun n'importe si erreur le fait et puis m'a exagéré erreur à faute là, faut me checker que. Est-ce que l'église a bien hein? L'aime garder moi depuis yo dit yon bagay mal de yon moun et puis immédiatement on courir vle d'accord. Kèm konnen, kèm pa konnen, depuis c'est mal la parler, on vle d'accord. Faut me checker cœur. Est-ce que l'église comprend ça m'a dit là? La Bible dit l'amour n'est point en. L'amour n'est point en. L'amour n'est point en. Maintenant, bon bon quelques remèdes cap edo camper contre envie. Numéro 1. Premier remède cap edo fight envie, camper contre envie. Ou besoin connait que nous tous nous connectés. Dans le livre de Galates, la Bible dit nous sommes tous un en Christ. Dans Galates 3:28, il dit car tous, vous êtes un en. Nous un en. Donc, cela veut dire que si nous tous sommes une en Christ, ça veut dire que nous fait partie de même équipe. Gardez-moi que nous sommes là, dit nous dans la même équipe. Ça fait nous ça, parce que jalousie, généralement, les pousser ou détruire les gens qui sont dans la même équipe avec eux. En d'autres termes, jalousie généralement pousse ou détruit moun ki pi prè ou. Moun nou connecté avec. Nous tout temps de parler de Bill Gates. Mais bon moun ki la jaloux de Bill Gates. Par exemple, pi fò moun ki la pas jaloux de Bill Gates, ça fait ça ou pas contre Bill Gates nan peinture. Même si c'est l'homme le plus riche au monde, etc., ou bien Jeff Bezos, l'homme le plus riche, mais nous t'en pas de monde qui est jaloux de lui, ça fait ça. Parce qu'on ne connaît pas, il pas dans le cercle, il pas dans l'équipe. Cependant, ceux
qui même maman, même papa avant là, lâche ton Lexus tout neuf. Mais qui est-ce qui a bon yon roue libre dans Lexus là? Si Bill Gates gen Lexus, li pas bon roue libre là, qui est-ce qui a bon roue libre? Et puis qui moun ou pas vle oué? C'est pas ça? Quel que soit Lexus Bill Gates gagne pas pour, Mercedes li gagne pas pour, Ferrari li gagne pas pour, Gatol gagne pas pour, li pa nan sa pou, li pa nan ekip pou, li pa nan rasou, li pa gagne rien ka fè pou. Mais moun ki prenne nan, ki maman, même papa, même l'église, même travail, joum gon problème premier pot, m'ral frapper c'est li et puis qui est la jalousie fait me détruire li. C'est ça qui fait moun ki jaloux dans la vie pas arriver loin. Moun ki jaloux dans la vie pas percer. Moun ki jaloux dans la vie pas arriver dans destinée yo. Parce que en pile fois pont que bon Dieu mettait sous chemin nous pour nous traverser là, c'est l'inboulé encore. Donc qui ça ka edo? Pour pas détruire mon autour de où songez nous toutes dans même équipe. Nous toutes dans même équipe parce quoi même nous toutes dans même équipe. Si c'est frère, sous c'est frère ou jeune bon job, ça veut dire nous toutes dans c'est moi jeune bon job là tout. Est-ce qu'on t'entend ça m'a tout là? Sous prospérer c'est ça pour moi prospérer tout. Ah! Levez-moi la dit gloire. Gè quelquefois dans même famille qu'on gè gros jalousie oui, dans même famille. Gè mari qui jaloux madame. Que madame qui jaloux mari oui. Que papa qui jaloux petit, que petit qui jaloux papa oui. Que maman qui jaloux propre petit yo. Que petit qui jaloux propre maman yo oui. Gon jeune fille te connaît, te jaloux propre maman, li te jaloux propre beauté maman. On jeune fille li trouvé maman trop belle. Li même li gen 20 ans là, li a pou 20 ans, 25 ans et puis figu il tant jeune descend et puis il garde le gamin nan sous 60 ans, sous 65 ans, tak li belle, tak li bien cap. Finalement pas comprendre, elle rive au côté. On dirait moun a fait maman plus compliment qu'elle li. Gen moun ki jaloux pour maman yo. Et puis nous détruisons les gens qui sont autour de nous. Mais nous besoin de connaître, nous n'en même. Nous n'en même. Nous n'en même. Là, nous n'en même équipe. It doesn't matter si c'est où qui fait gol là. Si c'est l'autre qui fait gol là. Si c'est l'autre qui fait gol là. Mais depuis l'équipe là fait gol là, nous gagnons. Jalousie, les plus forts dans la même équipe là. Tant que nous n'en plus près, tant que nous n'en plus dans la même équipe avec vous, tant que les plus près, c'est tant que le plus jaloux. C'est ça qu'il faut avoir tendance. Ou est non seulement gain jalousie entre ma famille, entre pasteur et pasteur gain jalousie, entre neuf et neuf gain jalousie, entre prédicateur gain la jalousie, entre chanteur gain jalousie. Moun, tant que nous dans la même équipe, c'est tant que nous avons tendance plus jaloux. Youn par rapport à nous. Est-ce que l'église commence à me dire là? Nous n'avons même mais si nous rendons compte que nous sommes dans même équipe, je ne suis pas obligé nécessairement, c'est moi qui fais gol là. Si je suis Miami là, ce Mireille font gol, guess what? C'est moi qui fais gol là. Pasteur Fafan font gol, qui s'est passé? Moi qui fais gol là. Est-ce que l'église s'en est pas dire là? Quel que soit l'autre pasteur bon Dieu utilisé, que c'est pasteur, que c'est Shalom en Haïti qui font gol, ça qui passe, j'ai qui n'a fait gol là. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Levez-moi, allez, dis gloire. Regardez, m'a dit non bagay. Tout temps, ça arrivait. Yon pasteur qui non zone. Qui non zone, et puis il parle l'autre l'église vient dans zone. Pour ça, gen l'église, pour ça gen tout si l'église sa yon dans zone. Menti, il besoin tout le monde. La paix de Dieu, pour ça gen tout si l'église sa yon, non, il besoin tout le monde. Pour ça gen tout l'église. Chers amis, tout temps m'a imaginé.
m'a imaginé. Le n'a regardé l'église, toute l'église qui existait. Et puis mon a complain qu'il y a trop l'église. Bon, si toute l'église était péristyle. Est-ce que dans les samedis, hein? La communauté haïtienne et puis n'a pas annoncé une grande église qu'il a, grande église qui a réuni des milliers de personnes et puis moun a vini et puis moun a jaloux parce que ça son ministère qui gagne des milliers. Mandé bon Dieu pardon, si c'est péristyle qui te lâche ça pour moun t'a vini. Mais qui t'est chargé moun t'a vini. Et puis qu'on y a pour pasteur comment son l'autre l'église pour me fâcher. Tandis que nous n'avons qui ça nous même. Et d'ailleurs, je ne comprends pas la logique là. Parce que, chers amis, dans Miami-Dade seulement, Fort Lauderdale, pas Lauderdale, West Palm Beach, etc. Dans Miami seulement là, il y a 3 millions de monde. 3 millions de monde. Un élément, c'était Rick Warren. Il dit, là, il y a deux pasteurs à Goumé pour l'église, etc. Deux pasteurs à Goumé, ou viennent dans la zone, ou viennent dans le territoire, ou viennent dans le bagage. Il dit, c'est un coup de mouche qui a Goumé pour y avoir qui est-ce qui mange un éléphant. Deux mouches qui ont goûté, il y a pas qu'à manger un éléphant. Là, il y a 3 millions de monde là seulement. Ou pas comme même river fort là-dedans. Ou pas comme même monter West Palm Beach. Ou pas comme 3 millions de monde là seulement. Ça veut dire, pas de personne qui a mangé un éléphant. Ça qui fait ça, c'est parce qu'en pile fois, nous pas fait travail d'évangélisation. Si grand monde qui vient depuis converti, c'est même si grand monde ça nous besoin tout. Pas de monde. Est-ce qu'on entend ça, Mandjou là? Moun pas voulu faire travail là pour y aller chercher monde qui perdu. Mais si nous allons chercher les gens qui perdent, même si il y a l'église après l'église, après l'église, après l'église, pas gasser l'église pour qu'il y ait Miami. Port-au-Prince et les environs, c'est presque 4 millions de monde. Oui. Quand l'église qui a 4 millions de monde dans Port-au-Prince. Est-ce que l'église commence à faire? Nous n'avons même pas. Ça veut dire, les gens font des bagailles. Bon Dieu, les gens. Affaire de questions, jalousie, égoïsme, etc. Son bagage qui doit suspendre parmi nous. Est-ce que nous d'accord avec ça, ces amis? Rendons-nous compte que nous sommes la même équipe. Deuxième bagage, Capedo, fight contre jalousie. Deuxième bagage, Capedo, gourmet contre jalousie. C'est là où il y a un succès. Il y a deux réactions succès à Capedo. Succès a ka irrité ou succès a ka fò fâché, li ka irrité ou bien ka inspiré ou. Mwen reprenn. L'on moun gagne succès et pour succès l'autre moun gagne deux réactions ka gagne ou ka irrité ou fâché. Comment faire ces moun sa gagne moi-même moi pas gagne ou bien m'ka di si bon Dieu l'a servi à lever et c'est même bon Dieu m'a servi. L'a levé m'tout. Donc, quitter succès l'autre monde inspiré au lieu de irriter. Moun qui irrité, qui fait jalousie, qui parle moun mal, qui critique, yo pas jamais arrivé loin dans la vie. Mais si l'autre l'a fait bon bagage, ou dit ça son bon bagage l'a fait, et bien même gens qui a fait bon bagage, qui a fait bon bagage tout, et puis qui s'est passé, nous monter. En d'autres termes, inspiration, gain deux bagages. Là où yon moun pire ou passo, ou gain deux réactions qu'a gagné. Ou ka gen deux réactions. L'on moun pi ou percevoir yon moun comme bureau passé. Si moun nan là ou même ou là, ou ka fait deux bagailles. Ou ka essayer râler moun nan descend pour vinn nan même niveau avec ou. Ou bien ou ka monter. Ou ka monter, ou ka dit si moun nan rive nan niveau ça, m ka rive tout li possible. Là yon moun là, m'gen deux bagages, m'ka râler descend pour arriver dans même niveau avec ou bien m'ka monter. Moun sa ka servi en inspiration et puis m'dit bon monter joine. L'homme te gagné 14 ans à peu près, 14 ans.
un prédicateur qui était venu prêcher dans l'église, moi. Monsieur était 28 ans. Un homme d'une grande éloquence, d'une onction extraordinaire. Et puis il tira les foules, c'était le prédicateur le plus populaire d'alors. Là où elle a prêché dans New York, eh bien, tout ça l'a bondé. Et me songe tout prédicateur dans même moment, il a dit un tel, monsieur Bagalel t'a parlé, elle t'a fait telle faute, c'est pas bagaille, c'est pas mot grec là ça, c'est pas théologie. Mais me songe, j'étais tout petit pendant un pile l'autre nèg a critiqué. Mais me rend moins compte monsieur t'ai gon onction dans la ville. Et puis me dit Seigneur, sou ka utilisé monsieur ou ka utilisé me tout. 30 ans plus tard, même là, campé devant, m'a prêché l'évangile, m'a 30 à prêcher l'évangile, tout le monde qui a critiqué, guess what? Yo still a critiqué. Oui. Tout le monde qui a critiqué depuis 30 ans de cela, yo dans même quartier, même bagala, même stratégie, yo pas arrivé à quel côté, parce que critiquer pas mené à quel. Tout le monde qui a critiqué, personne pas connaît aujourd'hui, yo pas réglé. Donc, lorsqu'on a un succès dans la vie, au lieu de fâcher, au lieu d'irriter, au lieu de critiquer, quittez moun sa servi comme une source d'inspiration. Dis, si moun sa vient dans le pays, il est venu sans papier, il est venu sans anglais, il est venu sans rien, et puis il joue un moyen, il est venu, et puis il fait AN, il achète des bagailles, et moi-même qui ai un bon anglais, et moi-même qui l'a longtemps, si le bon Dieu a fait pour lui, il a fait pour moi tout, et puis me dégage mal l'école, me lève pied, et puis il n'y a pas de favoritisme là, caille mon Dieu. Est-ce que l'église commence à me dire, hein? Yes. Troisième bagaille. Ou besoin fait pour craser jalousie la caille. Premier bagaille, je te dis, c'est qui ça? C'est qui ça? Premier bagaille, on va faire, on va changer nous même? Équipe. Deuxième bagaille, qui ça n'a fait? Nap qui ça? Nap quitté l'autre là, inspiré nous, au lieu d'irriter nous. Troisième bagaille, et ça important pile. Mais sous qu'a fait ça, l'a crasé jalousie la caille. L'a crasé jalousie la caille. Là où moun piro passe ou bien gen succès passé ou, honoré. Honoré. Priez pour lui. Appréciez. Parce que ça ou honorer ou attirer, ça ou mépriser ou chasser. Et je voulais voir quelques témoignages. Je vais trois témoignages rapidement. Même penser ça important. Regardez, chers amis. Nous sommes te prêcher un message. Qui te relève le royaume de Dieu. Quelques mois de cela. Quelqu'un qui sait ça? Et puis il te dit, le royaume de Dieu est en dedans. La Bible dit, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents. Qui s'en en parle? Le cahier jaloux. Je vais regarder un bagage. Le cahier jaloux. Dans Genèse chapitre 4, virez là pour moi. Dans Genèse chapitre 4, le Caïn jaloux, l'Éternel 4 verset 6. Regardez qui ça l'Éternel dit. L'Éternel dit, pourquoi es-tu irrité? Parce que jalousie faut fâcher. Pourquoi ton visage est-il abattu? Puis pour qui ça figure fin hein, comme ça? Parce que jalousie bon tristesse, il fait figure fin hein? Et puis regarde qui ça l'Éternel dit. Next verse. See if you find the next verse. On nous dit, on allez. Il dit certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Il dit, si tu agis mal, et puis regardez qui ça le dit. Il dit, le Caïn jaloux, l'Éternel dit, Caïn, attention, le péché se couche à la porte. Elle dit, ses désirs se portent vers toi. Ça veut dire, péché, il est devant partout, et moi, elle voulait emparer. Moi, péché, je voulais envelopper. Mais elle dit qui ça? Mais toi, Tommy. Il dit, Caïn, moi, jaloux, frère, là.
vie frère là. Kayen, moi en colère contre frère là. Kayen, moi abattu à cause de frère là. Il dit attention oui, il dit ça son péché lié qui campait devant porte là et puis qui veut l'emparer. Il dit garde, il dit tourne les sous. En d'autres termes, la jalousie, même si vous n'avez pas un monde qui est jaloux de nature, même si vous n'avez pas un monde qui est envieux de nature, la jalousie, le temps qu'il y a une bête féroce qui cache derrière la porte là, joue contre la porte qui fait l'ouvrir, fait l'entrer. Si on ne connaît pas, fait l'entrer. La Bible dit comme ça, dominez sous lui. C'est ça que fait la Bible dit, le royaume des cieux est forcé. Ce sont qui ça? Ce sont qui ça? Les violents. Pour yon moun capable de pratiquer l'amour de Christ, faut violent sous propre tête par. Ah, est-ce que l'église a dit ça m'a dit là? Pour aimer l'autre moun, faut violent sous tête. Gè quelques pensées depuis yon monte, ou dit attention, pas de place pour là. Pas de place pour là. Jalousie apparaît, envie apparaît, et pour quand tu commences à sentir dans le cœur, ou quand tu as transformé, ou as perdu la joie, ou tu as voulu fâcher, ou dit cœur, attention, mets ton dehors là. Par les places, moula, par les places, mets ton dehors. Si vous ne faites pas violence sous tes têtes, jalousie, son parent nous compte, un seul jour, tu as emparé. On nous dit violent. Ou ka en femme et pour un bon amis, et puis la vie en femme, la vie est belle, etc. Et puis nous bons amis, soudainement, et pour garder ouais, frère Jacques passe, et puis il prend feeling dans lui. Et puis frère Jacques mette bague dans douette lui. Et puis, si vous ne veillez pas tout, même si vous avez fini de marier, et puis même moment, si vous ne veillez pas cœur, et pour faire le gros ennemi, oui. Ça ne va pas faire, hein? Pas laver, let's be real, come on. Oui, vous dites, quand ça me va rendre, vous marier, vous finissez intéressant. Et vous finissez intéressant, papa la menti, et pas vrai, vous n'avez pas changé, le papa l'on l'autre jour, vrai, etc. C'est vous-même dans le cœur! Oh! Est-ce que l'église a dit, regardez, ma bonne trois témoignages pour capable comprendre violence. Ma bonne deux témoignages l'autre monde, ma bonne dernier témoignage pam. Pour qu'à comprendre que jalousie son bagage, nous tous besoin faire violence sur lui. Premier témoignage là, c'est pas de ma parole avec pasteur, bon, il y a peine bon témoignage ça. Frère Taylor, quelqu'un qui a nous songé. Frère Taylor, prédicateur de l'évangile. La dit que Frère Taylor a raconté nos témoignages. Comment lui-même avec un prédicateur. Un prédicateur, ils ont tout appris, ils ont tout sorti Gonaïve ensemble, ils ont été prédicateurs ensemble, ils ont prêché l'évangile ensemble. Et puis ils ont habité dans le même quartier. La monte descend, a prêché l'évangile, lui en bas, en caille, qui coulait, l'eau elle a pu tomber, lui baigne. Et puis il garde l'autre prédicateur à la bon côté là a construit un papa caille. Plusieurs champs morts, gros caille, bon côté là, tandis qu'il n'a la pluie. Tous les deux commencent à prédicateur ensemble. Et puis il n'a la pluie, mais ça bâti un gros coquin chaîne caille. Tandis que tous les deux prédicateurs. Et puis il dit il commence à sentir une jalousie. Voulez monter. Pour l'autre prédicateur. Et puis il dit qu'on ça pour le cagoumé à jalousie, ça le fait. Il commence à brouter wash dans la construction l'autre là. Hey. Tout le monde la porte wash, la porte sable. Il dit mes amis, garde Jean-Michel, mes frères, mes son jaloux. Dis violent. Violent! C'est ça la Bible, crucifier la chair. Il dit, il pote bloc, il pote roche dans la construction, monsieur.
jusqu'à ce que jalousie a fait route. Dit violent. Et ça fait l'Éternel dit Caïn. L'Éternel dit Caïn, mais jalousie a pas mal. Il dit dominer, fais soi capable, fais violence sous lui. Koumé a fait le mettre un pied sous tête lui. Si pour bloquer roche, broter roche. Si pour porter de l'eau, porter de l'eau. Si pour mettre à genoux, mettre. Mais dominer, 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 dominer. Dominel, parce que sous pas dominer l'abdominal, sous pas dominer la fora immune, sous pas dominer la fortouille immune, sous pas dominer la fora. Dominel! Dis dominel, 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 dominel! Deuxième témoignage, ma banou. Et témoignage de serviteurs de Dieu, une que nous connaissons bien. D'ailleurs, quand vient prêcher dans le cadre de la conférence, Pasteur Castanou. Right? D'accord. Pasteur Castanou, c'est Marassa. Il y a des gens qui ne connaissent pas ça, c'est jumeau lié. Il y a Yvan Castanou qui vient prêcher pour nous. Il y a Yves Castanou, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu. Mais le premier monde qui a visité nous, c'était Yves Castanou. Deux frères jumeaux. Là, yo commence ministère à Paris. Commence ministère à Paris, l'église à Paris, yo commence ensemble. Yo té ça relé cofondateurs. Cofondateurs ça veut dire yo deux a yo commencé ministère ensemble. Son deux donc deux marassa, deux jumeaux, yo commence ministère là ensemble. Tout ça yo fait yo té kon fè ensemble, yo commence ministère ensemble. Donc là yo commence ministère ensemble, tout bagay a bien marché, tous les deux, c'est deux hommes puissants, tous les deux bons prédicateurs. Tous les deux, c'est hommes de Dieu. Je me rencontre avec tous les deux, c'est des hommes de Dieu. Et puis, l'autre frère là, Yves, a raconté, pendant qu'il a commencé à faire ministère ensemble, il a prêché, mais malgré le bon prédicateur, il rend ni compte qu'il y a, tous les deux prêché, il rend ni compte que, amen pas, moun yo dit, pique-moi, amen pour l'autre là. Malgré message li a bon tout. C'est pour frère là yo di go amen. Li di dernier bagay ki bral touyel, li di on l'était dans conversation et puis moun n'a pas a passé, li di bonjour, li di bonjour, li di bonjour pasteur Yvan, après ça il dit Yves ça passé. Monsieur dit il senti le mourir net. Tendez oui, tendez. Ça c'est témoignage. Moi dis ça parce que ça son témoignage il était bay en public. Le bâtiment c'est en public l'église là. L'église yo à Paris. Moun yo te en pleurs, toute l'église. Monsieur dit qu'on sa propre frère Marassal, jumeau. Et puis il commence à bon jalousie. Contre frère biologique, frère spirituel, Marassal pareil, cofondateur, deux pasteurs ensemble. Et puis il dit qu'il commence à bon jalousie contre propre frère. Et puis de temps en temps, jalousie a monté là, monté là, monté. Et puis il dit, bonjour, l'entrée dans la chambre. Et puis il commence à prier. On nous dit violence. On nous dit violence. On nous dit violence. Il dit, bonjour, l'entrée dans la chambre. Il commence à prier. Il dit, Seigneur, moi, pas quitter la chambre. Sans jalousie, ça va pas tomber. Monsieur dit, prier. Il prie, qui vient sur ça. Il dit, prier. Il dit la prier, de l'eau a sorti dans les yeux. Parce que le rendu compte que la main de Dieu, c'était sous l'autre frère altéré pour l'église là. Donc, il y a un sentiment de rejet, etc. Même type de bagaille, etc. Il y a un sentiment, il sentit la main de Dieu, c'est sous le frère. Donc l'entrée, il commence à prier. Et puis il dit, la prier. Et puis quand il arrive, il dit, Seigneur, moi, ouais. Attendez, oui, il commence à prier. Il dit, Seigneur, moi, refuser numéro un. Moi, refuser pour numéro un. Place-moi c'est numéro 2. Place-moi c'est supporter. Place-moi c'est camper avec monsieur. Me refuser pour ma première place. Me refuser.
Dis violence. Monsieur priait, il priait, priait. Jusqu'à ce que il sentit sentiment de jalousie à le faire outler. Le monsieur sentit jalousie aller, le sentit le plus léger, le sentit le pas lourd encore. Et puis il tendait la voix de Dieu parler avec elle. La voix de Dieu dit, monsieur, place où? Pas à Paris. Place où? Pas en France. M'paré l'eau pour me bénir en France. Il dit comme ça, ministère, ça m'a choisi pour lui, ses frères là. Ou même, lieu de bénédiction, c'est dans le pays d'origine ou au Congo. Il dit d'ailleurs, même benou dans le ministère pastoral même, m'bral benou dans l'autre sphère. Il dit, monsieur, j'ai besoin de voyager au Congo. Ou dans le pays où, et puis c'est gardé le gon, qui président monté au Congo, il a cherché un ministre communication. Et puis qui est sur le pour ministre, monsieur? Kounia, le monsieur au Congo, il a tous les atouts. Bon, hein, moun ki leve en Haïti, ou kon ça veut dire un ministre, etc. Il a tous les atouts de ministre. Que c'est caille, que c'est machine officielle, que c'est ci, que c'est ça, etc. Et puis il arrive dans le pays, puisque il rentre. Il rentre comme un chrétien, il rentre avec intégrité, il rentre comme un pasteur, il rentre, moi pas comme un pasteur, mais il rentre comme un homme de Dieu avec intégrité. Parce qu'on est obligé de faire différence entre pasteur et homme de Dieu. On est obligé de faire une différence, Parce que, il t'a supposé même, mais il n'y a pas toujours même. Monsieur entre l'autre bois comme un homme de Dieu. Et puis il vit ni financier bali, il gère bien, etc., etc. Avant mon badgeo, monsieur bâti édifice, une pi bel building, édifice qui gagne un pays, quoi de presque 250 millions de dollars, etc. Bâti, etc. Et puis quand il y a président, a dit toute la ministre, pourquoi ça ne va pas faire comme monsieur, Monsieur vin chouchou, président, vin chouchou, yon paquet moun, évidemment, il y a des critiques, tout, mais il vin yon chouchou dans le pays. Et puis bon Dieu rele monsieur, kounya li bénil pendant nan sphère séculière. Et puis il béni monsieur tout économiquement. Donc li vin joine avec des arabes, avec des personnes qui a fait deal, etc., etc. C'est gardé dans la construction, c'est gardé. Non seulement travail li béni, c'est gardé où elle pas li passé avec même des millions personnels. Et puis, monsieur était allé, l'autre a quitté Paris, il était quitté avec certains jeunes garçons qui étaient l'église, il était connecté bon en informatique. Monsieur est allé, et puis bon Dieu commençait à bénir monsieur. Quand il y a monsieur retourné à Paris, il a raconté témoignage. Ça, bon Dieu t'a fait avec, comment t'es obligé de marrer Goumen avec la jalousie, l'envie pour arriver là. Pendant qu'il a raconté témoignage, l'église là en pleurs. Et puis après message là, qu'on y a pasteur Yvan, à l'côte monsieur, il dit monsieur, ou même ou t'es gen jalousie tout, m'a pas de compte ça non. Parce qu'elle dit, ou même ou t'es gen jalousie parce que bon Dieu t'a utilisé dans le ministère. Il dit, moi même, l'arrivée l'autre bord, moi bon Dieu ben nous économiquement, m'gade moi bon Dieu bon position, m'gade moi bon Dieu bon machine officielle, m'gade moi les map entrée depuis dans l'aéroport, m'dit Seigneur, garde moi même map servi ou. Je suis là, je garde moi même servi ou m'a gragé, m'a pas qu'à fin payer bill. Non seulement prend monsieur, ou mettez l'autre côté, ou béni nous level, mais à ta même fils spirituel qu'elle gagne, ou béni yo, et vous quittez m'a gragé là. Et puis tendez ça. Et puis bon Dieu dit, pasteur Yvan, prospérité économique ou. C'est dans frère ou l'allié. Lui dit à joindre avec monsieur et puis ça travers frère ou là m'bral bénir et puis frère commencer reler et puis qu'on y a pour venir faire des séminaires sur leadership étant donné son leader le ministère pastoral qu'il y a plusieurs églises etc. Lui dit il vient faire séminaire sur leadership pour ministre pour député pour bagaille etc. pendant la fait séminaire pour leadership yo.
il a payé. Est-ce que nous songeons ça? Nous sommes l'heure de venir à ta témoignage que l'heure de besoin béni, il te dit, il te font pledge à bon Dieu. Il te dit, m'a bâti 10% de ça, m'a rien gagné. Monsieur te dit, quoi ça, bon Dieu, m'a bâti 100 000 dollars vers côté m'a voulu aller. Mais monsieur dit, il n'a pas gagné. Quand il y a frère, il commence à faire séminaire sous leadership. Chaque séminaire sous leadership l'a fait. Il a payé 100 000 dollars. Il te dit, il t'a bral, bâti là. Bon Dieu, il a une chance pour le fin bâti. Et puis il a raconté, si nous changeons dernière fois, il a raconté ça. Payé 100 000 dollars de dire t'as pas le bala, l'année fin présenté à l'Éternel et puis le joindre avec yon à travers frère là encore, yon arabe, yon musulman qui pas gagné pour louer avec dans l'évangile. Il m'a dit, monsieur, est-ce qu'on est intéressé dans business construction? Il dit, monsieur, comment parler dans business construction? Monsieur, on passe un baguette pour construction. Il dit, non, moi, je n'ai pas inquiété de bail comme ça. Bah, c'est au map gérer business construction pour vous. Est-ce qu'on gagne l'argent pour investir? Quand on balbara avec l'argent, monsieur, tu n'as pas besoin de tout, m'a bâti tout bagage pour gratis. L'orgue temps à payer. Li dit nèg la bâti tout caille tout appartement multi appartement bagali bâti pour monsieur gratis sans rien chaque temps bral paye nèg la nèg dit pas inquiété li dit pour juste jodi a li pas jambe nèg la bâti complexe multi appartement bâti toute qualité de bagaille pour monsieur à travers frère là et puis financièrement bon Dieu levé va commencer à dire là non. On suit Kounia. On nous dit, yo te quitté la jalousie. Frère, te quitté la jalousie. En paril. Nous te commencé l'église ensemble. Ou pas qu'à venir prendre poste, ou à pleuver sous moi, ou pas sur bon. Yo t'a venu, yo t'a goumé, etc. Premièrement, t'a pas affecté l'église. L'église a pas bien développé. Et puisque place de bénédiction, tous les deux, économiquement, l'autre la pas bien mal béni. Parce que place de bénédiction, le pas à Paris. Ça veut dire, pas bien béni à Paris. Parce que est-ce qu'on t'a dit, nous soyons de prêcher un message, l'Éternel te dit quoi ça, m'a voué Koboa là. Combien de monde qui songe ça? M'a voué Koboa qui côté? Chaque monde qui côté, bon Dieu, ben nous, sous banan place, ou pas une bénédiction. Bénédiction, c'est au Congo. Et si frère l'a pas béni, l'île pas béni parce que bon Dieu va l'utiliser frère là. Est-ce que l'église comprend ça qui a passé? Dernier témoignage, moi, Vibao. Ça, c'est témoignage personnel. Pam. Témoignage pam. Nous ici, l'homme fait commencer dans 125 ans. Nous fait commencer dans 125 ans. M'a dit, Seigneur, qui ça pour me faire pour l'église la grandir? Qui ça pour me faire pour l'église la grandir? Je voulais faire un pack dans Miami pour. Je voulais faire un pack dans City pour. Je voulais faire un pack dans ville pour. Qui ça pour me faire pour l'église la grandir? Et puis, bon Dieu dit mon bagage. L'idée me concerne ou pas qu'à faire impact dans une ville si ou pas prier pour lui. Bon Dieu dit pour impacter ville là, faut prier pour ville là. Pour impacter ville là, faut prier pour ville là. Depuis le bon Dieu fin dit ça, qu'on y a me prend habitude le samedi habiter en Biscayne Park. Me prend habitude le soir. Gen moun ki te gade, peut-être gen moun ki te rencontre avec moun ki te gade absence, passe moun son moun fou. Le soir, 10h, 11h du soir, 10h du soir, m'fon j'aime dormir dans l'après-midi, donc m'aller l'église, etc., m'travail, etc. Et puis bon, zon, en 3h à 6h, m'gade pour un repos. Et puis m'retourne l'église à différents bagages que m'gade pour m'fait. Et puis de 10h du soir, kounya m'kite l'église, m'commence à marcher dans la ville là. Donc, m'te bâte mon schedule de 10h, de 10h à 4h, quelquefois même 5h du matin, pendant tout le monde a dormi, m'a marché dans toute Miami, North Miami, m'sou Biscayne, m'sou Bagay, pendant tout le monde a dormi, m'a prié, prié pour moun, prié pour un converti, prié pour Bagay, etc., etc. Marché dans la nuit dans toute ville là, pendant mon abdomi a prié. Parce que bon Dieu te dit m'kon ça, ou pas qu'a fait un pacte sous yon ville. Sou pas prier pour lui. Kounya m'a à prier comme ça. Mais pendant ma prière, m'a dit des mois à courir et années à courir. Il semblait ti mari pas monter, ti mari pas descendre. Et puis mal bon pasteur t'a invité me prêcher pour lui. Bon pasteur t'a invité me prêcher pour lui et puis mal prêcher pour pasteur. Mal prêcher pour pasteur. Et puis l'homme garde mal prêcher pour pasteur, me garde moi l'église la bondée. Rempli avec moi, l'aime tout ça, des milliers de monde.
rempli avec moun bon, des milliers de moun réveil à marcher, bon Dieu a utilisé puissance de Dieu, la présence de Dieu là, l'église bondée, etc. avec des milliers de personnes. Et puis pendant la palabre, et puis il dit, regardez, ouais bon Dieu a fait tout le bagage. Il dit, m'pas même briller même. Il dit, bon Dieu, faire toute la question. Il dit, je ne vais pas même prier. Il dit, je ne vais pas même homme de prière. Je ne vais pas même prier. Je ne vais pas même être prier, mon cher. Le monsieur dit ça. Je suis fâché. Je ne vais pas attendre qu'il est pour me river la carte pour me péter de blouse avec l'éternel. Femme sérieux. Je ne vais pas attendre qu'il est. Pour me river la calme, pour me péter, yon déblosaï. L'aime river la calme, m'entrer dans la chambre de prière, me dit Seigneur, ça va juste. Non, me dit Seigneur, me dit Seigneur, le soir fait là, en anglais, lire le child abuse. Non, me dit ça, le child. Abuse, me c'est petit tout, mais on va faire marcher dans mi-temps de nuit, pas dormir, papa, quand il dit, je vais marcher dans la rue, et pour l'autre qui va prier, ou bien tout grâce, non, that's child abuse. Non, me dit Seigneur, ça c'est abus. Me dit Seigneur, ça c'est abus. Et puis, je ne vais jamais oublier ça, bon Dieu répond moi. Bon Dieu dit, Grégory, je besoin qu'on a bagaille. Est-ce qu'on prie pour qu'on gagne l'église? Ou bien est-ce qu'on prie parce qu'on aime? Est-ce qu'on prie parce que présence est moins importante pour vous? Je dis, je me connais, l'on a chanté présence ou pichet passé là, présence ou pichet douce passé miel. Est-ce que c'est une réalité? Si les gens ne sont pas jamais dans l'église là, est-ce qu'on va continuer à marcher chaque soir? Pas parce que les gens viennent, mais parce qu'on enjoy parler avec eux. Parce qu'on enjoy passer tant en présence moi. Est-ce qu'on prie pour qu'a gagne un bagaille ou bien est-ce qu'on prie parce que présence moi important. Les bon Dieu dit ça. Ou qu'on a quelque réponse bon Dieu ba ou? Case close. Les bon Dieu dit ça, m'pas même parler, m'en quitter dossier. Gagne ba bon Dieu, tu fais mes dossiers mon cher. Sou intelligent me fait. Bon, on tout fait mes dossiers. Tout fait mes dossiers. Et on connaît à partir de ce moment, ça me fait. Pasteur ça, chaque temps mal sous genou, moi dis Seigneur, m'pote un tel baou. M'mando pour bénir ministère pi plus. M'mando pour bénir l'église di pi plus. M'mando pour bal plus grâce. M'mando pour bal plus bénédiction. M'mando pour camper autour de lui. M'mando pour faire des merveilles avec. Chaque temps mal sous genou, moi prier pour bon Dieu bénir pasteur ça encore plus. Et me fait prier ça jusqu'à ce que toute envie, toute colère, toute bagaille moi te senti dans comme tout aller. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Si yon moun pa protéger cœur, c'est ça que fait l'Éternel dit comme ça. Le péché li à la porte, oui. Li à la porte, oui. Ça veut dire qui ça? L'elle dit il se couche à la porte. Ça veut dire ou pas j'aime les gon chat qui derrière porte là, ou bien chien qui derrière porte là, porte la fermée et puis il reste couché derrière porte là qui ça? Qui ça l'a cherché? Occasion pour l'entrer. Coup pas pour lever porte là, il fait l'entrée. Il dit Caïn, moi fâché contre frère ou là, il dit mes péchés accouché de pour pas pour lever porte là la porte. Il dit dominer sur lui. Fais le gétan wol. Comment elle pourrait être dehors? Dis-le pas rentrer dans le cas. Donc, on moun faut abeiller cœur tout le temps. De pouvoir jalousie paraître tout le temps. Hey, dehors! Hein? Dehors, comment on dit chien encore dans le coup derrière? Parti, yes. Gé quelque bagarre, de pouvoir elle commence à monter dans le cœur, on dit parti. Allez! Parti chien, parti jalousie. Parti envie, parti la haine, parti, parce que sous en train de.
Et bam jo bagay. Sou pa ka kontrole tèt ou konsa, ou pa ka wè bénédiction bon Dieu. Bon Dieu pa béni moun ki envieux. Bon Dieu pa béni moun ki jaloux. Bon Dieu pa bé ka béni moun ka brayi moun sou pa veye toute la journée. Et comme moi dis, chaque monde gè faiblesse dans la vie. Moi-même jalousie pa yon faiblesse naturelle pour moi. Ça veut dire m'pa fè et pas chaque jour m'lever m'a goum avec jalousie. Ça m'gè faiblesse pa, mais jalousie envie c'est pas faiblesse pa. Généralement m'connais bon Dieu relè m'bon bagaille, généralement ça bon Dieu relè m'sou li a m'focus sou li moun met a fè n'importe quoi ça pa di rien. Mais malgré c'est pas faiblesse naturelle pa. M'joint moyen en deux occasions dans la vie m'ka songé côté soudainement m'garde moi gon jalousie qui vient apparaître soudainement gon jalousie ça le gagne ça veut dire t'était porte là courir vite fap porte là ouvelle fap l'entrée. Donc chers amis, en nous toutes m'bon témoignage pam et fort pam et fort l'autre homme de Dieu fait chaque monde kounia bon Dieu a pris l'eau pour faire effort pam. Il faut pas, est-ce que vous avez main? Il faut pas. Mounou jaloux de l'IA bénil. Mounou jaloux de l'IA honorel. Mounou jaloux de l'IA appréciel. Mounou jaloux de l'IA mandé bon Dieu pour bénir le pi plus. Mandé bon Dieu pour lever le pi plus. Jusqu'à ce que jalousie ça disparaisse dans le cœur. Parce que le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. La jalousie, elle couche à ta porte. Mais l'Éternel dit, terminé sous lui. Et pas quitter le vigne en réalité. Que bon Dieu fait ça pour toute petite lit. Au nom de Jésus. Alléluia. Avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps. Dis avec ce sauveur, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps. Son beau nom fait vibrer mon cœur. Sa voix semble un écho des cieux. C'est bien son regard, sa faveur qui bannit les pleurs de mes yeux. Dis Jésus, ton amour me suffit. Le monde est pour moi sans attrait, car je suis. Heureux en ça. Dis avec ce sauveur, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été. L'automne est. Dis avec ce sauveur, je veux demeurer. Il change l'hiver. L'automne est un nouveau printemps. L'automne est un nouveau. Si ça encore. Je veux demeurer. Il change l'hiver. Il change l'hiver. Levez mes doigts en l'air. Dis Seigneur, moi t'as des paroles. Jodia. Côté mien là. Fais mon opération. Entrez dans le cœur moi. Tout le monde, moi jaloux de yo. Tout le monde, moi envieux de yo. Moi mandé pour pardonner moi. Kounye. Entrez dans le cœur, prends couteau, fends-moi
Retirez jalousie ça. Retirez jalousie ça. Retirez jalousie ça. Nan cœur moi. Libérez 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 moi. Au nom de Jésus. Fais-moi remettre mon ça. Fais-moi bénir mon ça. Fais-moi lever mon ça. Fais-moi content avec mon ça. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Bah l'Éternel, un bel applaudissement. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Est-ce que bon monde qui t'est béni? Est-ce que bon monde qui va le faire travail sous tête ou? Bagasse ça c'est pour seul prier lié. Ou besoin prier jusqu'à ce que quelle que soit jalousie ça sorti totalement. C'est qu'on s'en fait là avec l'Éternel.